Alors, live sur comment travailler ses cours, idéalement même de façon efficace. Alors, y a, souvent, les élèves, ils ont l'impression que parce qu'ils vont en cours, oups, c'est trop gros, ils vont en cours, donc il y a le prof au tableau qui parle. Eux, ils sont sur leur tableau, sur leur table. Ils écrivent le cours, ils ont l'impression que c'est OK. Ou éventuellement, à la maison, ils reprennent leur cours et ils le lisent. Ça, c'est les choses que font les élèves. Ils prennent des notes pendant les cours et ils lisent. Alors, on est sur deux choses qui sont très peu efficaces. Donc, je vais faire l'une, je vais faire l'autre. Première chose, donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les cours? Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que pendant les cours, il faut écrire. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. Mais on écrit pour deux raisons. On écrit à la fois pour avoir une trace écrite, pour avoir le cours, et aussi pour se rappeler. Moi, ce que je vous conseille, si, quand c'est possible, c'est de... En fait, le problème, c'est que les élèves, ils pensent qu'on peut faire les deux à la fois. Or, ce n'est pas possible. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. On ne peut pas faire les deux, il faut choisir. On ne peut pas à la fois écrire pour avoir une jolie trace écrite et écrire pour se rappeler. Parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'on va écrire sur le papier et ce n'est pas du tout la même chose qu'on va avoir comme attitude. Notamment, si on écrit pour avoir le cours, il faut écrire vite. Donc notre cerveau, il est branché sur OK, qu'est-ce qui est écrit au tableau? Je réécris ce qui est écrit au tableau. J'essaie de choper les informations, etc., etc. Donc souvent, en plus, les élèves, ce que je vois, hein, c'est qu'ils écrivent ce qu'il y a au tableau. D'accord? Ils écrivent ce qu'il y a au tableau. Le problème de ça, c'est que ça fait des yeux au stylo sans passer par le cerveau. Or, si on veut se rappeler, si on veut apprendre, eh bien, il faut passer par le cerveau. Il faut se rappeler aussi pour apprendre. Pareil. Donc, en étape, il faut choisir. Moi, je vous conseille bien évidemment, quand c'est possible, de choisir celui-là. C'est-à-dire que le moment du cours, ce n'est pas le moment où on écrit pour avoir son cours, c'est le moment où on va aller écouter et écrire les choses importantes pour se rappeler des choses importantes. D'accord? Donc, uniquement les choses importantes. Le but, ce n'est pas d'avoir tout ce que le prof dit. D'accord? Le but, c'est d'avoir uniquement les choses importantes et de les comprendre. Alors, le problème de ça, c'est que du coup, quand le cours s'arrête, vous n'avez pas le même cours qu'au tableau, vous avez un cours qui n'est pas forcément bien écrit, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions simples. Par exemple, ça peut être ce qui se fait dans le supérieur. Par exemple, c'est un élève qui fait ça, qui fait le cours joli, et tous les autres qui font ça. Et après, celui qui a fait le cours joli, il photocopie, il donne à toute la classe. Ça peut être aller prendre un cours sur Internet, ça peut être regarder dans le livre. Des cours jolis, il y en a plein. Donc, soit vous en prenez ailleurs, soit vous vous arrangez avec vos potes. Même si vous avez 4 potes pour faire ça, et bien déjà, 4 fois sur 5, vous pouvez être là-dedans, et une fois sur 5, être là-dedans. Et si vous ne vous arrangez pas entre vous, et bien vous êtes 100% du temps là-dedans. Et du coup, ben, certes, vous avez des jolis cours, mais ils sont sur vos feuilles. Or, ce qui compte, ce n'est pas vos cours sur vos feuilles, ce qui compte, c'est vos cours dans votre tête. Donc, à quoi ça ressemble une feuille qu'on écrit quand on écrit pour se rappeler. Déjà, il n'y a pas tout. D'accord? Donc, le prof peut écrire des choses qu'on n'écrit pas, etc. On écrit les choses importantes. D'accord? Éventuellement, on essaye de faire un lien. D'accord? On fait le codage. On a vu le codage, c'est-à-dire que quand le prof écrit quelque chose au tableau, ou quand le prof donne quelque chose, ah ben là, il y a la notion du prof, mais à côté, ça peut être d'une autre couleur, on écrit, ah bah tiens, ça me fait penser à ce qu'on avait vu à ça, par exemple. Du coup, on peut dire que ça va. Donc, on essaye de faire des liens. On peut aussi écrire ces questions. Donc, si on a le prof en face, on peut les poser. D'accord? Le but, ça va être de poser des questions. D'accord? Le but, ça va être de poser des questions. Les petits, soit vous avez le courage, vous pouvez les poser au prof. Soit on les écrit sur papier.
Mais ce qu'il faut voir, c'est aussi cette notion, c'est une idée, on a l'impression que pour apprendre son cours, il y a le cours à l'extérieur de la tête, et le but, c'est de le mettre dans la tête. Or, c'est pas ça que, comme ça que le cerveau fonctionne. Le but, ça va être au contraire d'essayer de sortir l'information. Donc, poser des questions sur le cours. Donc, les questions qu'on peut poser, c'est soit au prof, si vous n'avez pas les questions, voilà, vous les écrivez. Donc, on a les choses importantes, les liens et des questions. On doit avoir des questions et des liens avec les autres choses. Et on peut mettre aussi d'une autre couleur, je mets plein de couleurs, parce qu'on n'a pas trop compris. D'accord ? Si on voit que le prof passe à autre chose, et que, bon, il y a un, ou alors que ça fait 5-10 minutes qu'on essaye de comprendre un truc et qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est que c'est un nouveau modèle, des choses comme ça. On met juste d'une autre couleur. Attention, j'ai pas compris ça. Et on le laisse. Et on fera ça à la main. Vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au cours qu'on a quand on fait ça, où on a un cours grand 1, grand 2, grand 3, etc. Là, ça va être des choses avec des liens. On peut faire des. Ça peut être une carte. Les liens, ça peut aussi être une carte mentale, des choses comme ça. Donc, ça va être plus un grand schéma, où des mots un peu partout, des questions, plusieurs couleurs, etc. Est-ce que ça va pour ça? Je prends ça pour un. Super. Donc, une fois qu'on revient à la maison, ça c'est l'étape 1. Une fois qu'on revient à la maison, dans l'étape 2, la première étape c'est répondre aux questions. Avant, on reprend ce qui n'est pas compris. Donc, on peut venir les poser en live, si vous êtes abonné. On peut les demander autour de soi, à ses copains, on peut les regarder sur Internet, etc. Le but, c'est que tous les points qui ici sont marqués comme étant pas compris, on les reprend à la maison. Ensuite, on reprend les questions et on regarde si on peut y répondre. Et on les y répondre, puis s'en ajouter d'autres. D'accord ? L'idée, c'est d'écrire une liste de questions. Pour apprendre son cours, il va falloir avoir une liste de questions. Donc pour ça, je vais partir du cours bien écrit. Donc soit du copain, soit que vous avez trouvé sur le livre. Enfin, il faut que vous trouviez des sources propres. D'accord ? Moi, je suis en train de rajouter sur la plateforme des cours bien écrits pour vous. Et vous les mettez. Donc, vous prenez le cours bien écrit, vous lisez le cours bien écrit, et après, la question, c'est quelles questions je vais pouvoir avoir sur ce cours. S'il y a des choses qu'on a compris, mais qu'on voit qu'il faut qu'on apprenne, type les relations, on les met sur des flashcards. D'accord ? L'idée, c'est de faire des flashcards sur les cours, et ensuite, pour apprendre son cours, soit on répond aux questions qu'on s'est posées, soit on fait les flashcards, soit on fait les deux. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que relire son cours à la maison, ça ne sert à rien. Donc, il faut arrêter, parce que juste ça donne l'impression qu'on le connaît, qu'on est content, parce qu'on arrive au contrôle, on connaît son cours. En fait, on se plante au contrôle, parce qu'en fait, on ne connaît pas. Donc, il faut avoir bien compris, il faut avoir des questions et des flashcards. C'est ça qu'il faut pour apprendre le cours, pas de relecture. Donc, les deux choses importantes de ce que je viens de dire. En cours, il faut bien faire attention à écrire, non pas pour avoir un cours joli, mais pour se rappeler des choses. Donc, on fait des petits schémas, on note que les choses importantes, on fait des liens entre ce que le prof dit. On essaie de voir le lien avec les autres chapitres, avec ce qu'il fait, etc. D'accord ? On peut faire des schémas, des choses comme ça. On met toutes les questions auxquelles on pense, ça peut être soit des questions auxquelles on sait répondre, soit auxquelles des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Par exemple, si le prof vous dit « Attention, c'est très important, voilà, je vous donne la loi des gaz parfaits », ben en question, on peut avoir « C'est quoi la loi des gaz parfaits ?» Et d'une autre couleur, on met toutes les choses qu'on ne comprend pas trop, ou on entoure les choses qu'on ne comprend pas trop pour qu'on puisse après les prendre à la maison. À la maison, on prend les choses qu'on n'a pas bien comprises, et on continue à se poser, on prend un cours bien écrit, qui n'est pas forcément celui qu'on a écrit du coup, on prend les questions, on en écrit d'autres et on fait des flashcards. Et ça, ça permet vraiment d'apprendre le cours. Donc attention, il y a deux choses à changer, à la fois la façon dont vous prenez les cours en classe et à la fois la façon
la façon d'apprendre son cours à la maison. Voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions?